Yay! C'est pour le gala des prix Citron! Mais. Il est où tout le monde? Oh boy! C'est vide! Ah, oh, c'est vrai! Le gala a été reporté en ligne à cause du COVID-19. Puis moi qui espérais pouvoir faire mon grand numéro de danse cette année. Bon gala des prix Citron à tout le monde! Des prix, des prix, des prix, des prix, des prix! Citron! Citron, 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 citron. Bonjour les fiers bulldogs. Nous sommes à notre dernière rencontre de fin d'année. Quelle année exceptionnelle! Si vous êtes présent avec nous aujourd'hui, c'est que vous voyez l'importance de l'engagement tout au long de l'année. Comme le veut la tradition ABD, nous avons notre gala traditionnel, le gala des prix Citron. J'aimerais remercier les enseignants qui ont donné un coup de main à organiser ce gala. Je pense entre autres à Mme Boileau, à M. Bilodeau, à M. Lafrance, à Mme Renault, à Mme McDonald et à Mme Yell. Tout au long du visionnement, si vous voulez écrire des commentaires d'appréciation en français, vous pouvez le faire en les inscrivant dans la boîte de commentaires. Il ne me reste plus qu'à vous dire bonnes vacances et bon gala. Pour vous présenter le prix du survivant, l'élève qui est le plus apte à survivre un apocalypse zombie. Ta hache, es-tu prête? Survie en cas d'épidémie de zombies est la suivante. Premièrement, je ramène de l'alcool à friction parce que il faut que tu laves tes choses. J'amène ceci pour si tu te fais mal, ça serait utile. Une bouteille d'eau réutilisable, comme ça tu peux mettre de l'eau dedans quand tu vois de l'eau. Un briquet pour faire des feux et un couteau pour être capable de manger et tuer des zombies. Bonjour, donc je pense que j'ai un avantage sur tout le monde pour la survie de l'apocalypse des zombies parce que en quarantaine, j'ai regardé beaucoup d'émissions de The Walking Dead et je suis prête pour survivre une apocalypse de zombies. Donc le premier objet que je vais apporter avec moi est primordial, c'est une bouteille d'eau pour chercher de l'eau et en plus la bouteille est en métal, ça va garder mon eau froide pour longtemps, c'est important de rester hydraté. Un gros couteau, le raisonnement, mais c'est la protection, puis pour pouvoir me défendre contre des zombies.
de la bouffe qui pourrait me durer pour au moins les 3 premières journées jusqu'à ce que je trouve d'autres choses à manger. Un chandail à manches longues, donc il n'est pas trop chaud, pas trop froid, donc ça serait bon peu importe la température, et je pourrais le mettre autour de moi comme un bandage, un pansement si je me blesse. Et finalement, pour tout mettre ensemble, un sac à dos. Parce qu'on va beaucoup marcher, je vais garder toutes les choses sur mon dos. Donc c'est ça. Qu'est-ce que tu apporterais? Qui d'entre vous avait qu'est-ce qu'il faut pour être futur médaillé olympique? Voici les nominés.
Le prix, le K14S, c'est un prix qui est donné à un élève qui parlait beaucoup pendant les rencontres virtuelles. Et pour ça, on leur fait lire des virlandes. Je vais m'asseyer. 16 jacinthes séchées dans 16 séchées secs. 16 jacinthes sèches dans 16 séchées secs. 16 jacinthes sèches dans 16 séchées secs. Ouh! C'est plus tough que je le pensais. Trois petites truites cuites, vivantes, ding! Un chasseur chassant chassé doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur chassant chassé doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur chassant chassé doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chassé doit savoir chasser sans son chien. Par à Paris, papa t'espère à l'opéra. 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 Ok. Un dragon gradé dégrada un gradé dragon. 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 Bonjour tout le monde, c'est Liza Nadon et bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, manger durant le confinement. Hey, c'est le fun ça? Moi je vous dis tout de suite, j'en mange bien du beurre de peanut. Tu me dis que je suis la seule? Je pense pas. En tout cas, voici manger durant le confinement. Durant cette pandémie, nous sommes toutes pris à la maison. Cela veut dire plus de temps pour la télévision, du TikTok, du cuisinage. Mais l'affaire qu'on fait le plus, c'est manger. Nous mangeons plus car on s'ennuie. Et quand on s'ennuie, on mange. Aussi, nous avons beaucoup plus de temps pour s'asseoir sur notre divan et regarder la télé. Nous savons tous que regarder la télé veut dire plus de croustilles, de popcorn et de boissons gazeuses. Une deuxième raison pour laquelle on mange plus en confinement est car nous avons également plus de temps à faire de la cuisson. On se demande pourquoi il y a un manque de farine et de levure au magasin? Bien, c'est pour la simple raison que tout le monde cuisine. Il ne faut pas oublier la meilleure partie de l'expérience, manger ce que tu as confectionné. La troisième raison pour laquelle on mange plus, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de se lever quand on veut et d'aller se chercher une collation. Aussi, on peut manger n'importe quoi qu'on veut. Tu n'as pas besoin de faire ta boîte à lunch et de seulement apporter une boîte granola. Évident qu'on mange plus en confinement. Nos parents vont plus souvent faire les épiceries et se plaignent du coût de la nourriture. Il semble qu'on est plus souvent dans la cuisine ou près du réfrigérateur. On semble attiré aux collations. C'est comme si on ne s'en aperçoit même pas. Il faut faire attention de quand même faire de l'exercice ou autre chose que de manger tout le temps. Alors c'est tout pour aujourd'hui avec la vidéo de manger au confinement avec Eliza. À la prochaine, ciao! Le prix Citron, la coupe COVID, est un prix pour souligner les élèves qui avaient une coupe de cheveux fort intéressante pendant le confinement. Moi, je tiens pour vous présenter ma belle coupe Longueuil que j'ai laissée pousser pendant les 3 mois à maison. Voici les nominés. Thank you.
Qu'est-ce que t'as là? Coudon, avais-tu de la place qui restait pour la nourriture? Ben oui, oui. Au menu, nous avons du caviar avec des escargots au beurre à l'ail. En as-tu pour moi? Oui. As-tu quelque chose de santé là-dedans? Bien sûr! Il y a 42 grammes de sucre! Tu vas pas t'étouffer avec le montant de bouffe que t'as là. En veux-tu d'autres? Non. Je suis correct. Oh! C'est trop santé pour moi! J'ai besoin du sucre! Marie-Lou, tu peux pas croire, j'ai tellement de bouffe aujourd'hui. Non, 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 j'en ai vraiment pas assez beaucoup. C'est-tu toi le dieu de la nourriture? Peut-être que oui, peut-être que non. Il y a un enfant à l'école? Géraldine? Je pensais que c'était un enfant! Merci! À la prochaine! Lors de cette période de confinement, la leçon la plus importante que nous avons apprise est comment bien se laver les mains. Donc, sans plus tarder, je vous présente les nominés de la catégorie Futur médecin. Premier, il faut laver jusqu'au coude, oui. Ensuite, il faut laver les mains et dedans, les petits doigts, oui. Salut, mon nom est Mylène Marlowe, slash Dr. Marlowe, et aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous laver les mains correctement. Alors, tu commences l'eau, tu trempes tes mains dans l'eau, tu prends du savon, moi j'ai pris 2 pompes, et là, tu frottes bien tes mains. Tu frottes pendant 20 secondes. N'oublie pas tes ongles, c'est très important. Une fois que tu as fini tes 20 secondes, tu rinces le savon avec l'eau. Quand que tu as terminé ça, n'arrête pas l'eau. Tu essuies tes mains avec l'essuie-main que tu as. Et avec l'essuie-main que tu as, tu arrêtes l'eau pour ne pas mettre les anciens microbes. Maintenant que tout le monde est capable de laver ses mains, j'espère que moi j'ai fait ma job ici et que vous êtes capable de vous laver les mains. Bonjour, je m'appelle Michel et je vais vous montrer comment se laver les mains correctement. Assurez-vous d'utiliser votre bras pour soulever le robinet. Mouillez-vous les mains avec de l'eau tiède. Appliquez du savon. Je vais utiliser de la peinture au lieu de savon pour vous donner un meilleur visuel. Pointez-vous les mains l'une contre l'autre pour minimum de 20 secondes. Lavez-vous toutes les surfaces de vos mains, y compris vos ongles, vos pouces et entre vos doigts.
Rincez-vous les mains. Utilisez votre bras pour fermer le robinet. Séchez-vous les mains. Et c'est tout. As-tu intentionnellement salé tes mains juste pour que tu puisses faire cette vidéo? Ben, moi je suis ici pour t'aider. Tu vas commencer par rincer tes mains et ajouter un peu de savon. Quand tu as ajouté le savon, tu vas frotter tes mains pour un minimum de 20 secondes. Si tes mains sont encore sales après ces 20 secondes, tu vas refrotter tes mains pour un autre 20 secondes. Après, tu rinces tes mains et tu les sèches avec ta serviette. Maintenant, tu as des mains propres. Regarde-moi. Lave les mains pour survivre le lendemain. Sans pas comme on a perdu, car le corona nous ont pas battu. Regarde pour de l'espoir, même s'ils ont pris nos territoires. Reste à la maison pour qu'on ait une chance à la prochaine saison. Chers élèves, vous lavez-vous les mains? Eh bien, rien de mieux pour combattre la COVID-19 que de bien se laver les mains. J'ai avec moi aujourd'hui un expert en lavage de mains qui va nous démontrer sa technique, la mouille-mousse frotte-frotte-rince-chasse 2020. Bonjour, Monsieur Lafrance. Bonjour. Peux-tu nous démontrer, s'il te plaît, ta technique? Avec plaisir. Étape 1. Mouillez-vous vos mains à l'aide de l'eau tiède. Plusieurs se demandent sûrement comment savoir si l'eau est tiède. Ben, l'eau tiède, c'est ni chaud ni froid. Vous pouvez toujours utiliser un thermomètre digital comme celui-ci. Ah! Étape 2. Appliquez du savon. Mes enfants utilisent énormément de savon lorsqu'ils se lavent les mains. En fait, personnellement, je trouve que c'est du gaspillage. Qu'en penses-tu? En fait, tu peux jamais avoir assez de savon. Étape 3. Frottez-vous les mains pendant au moins 30 secondes. Donc, il faut s'assurer de bien frictionner les mains, hein? La paume, le dos entre les doigts, sous les ongles, les pouces. As-tu un truc pour qu'on puisse se souvenir de tout ça? Ben, en fait, j'ai adapté cette danse. Wow! Merci! Étape 4. Rincez-vous bien les mains. J'assume qu'on a besoin du thermomètre encore? Ben oui. Étape 5. Chassez-vous bien les mains à l'aide des essuie-tout. Oh, attends, tu veux sûrement dire sécher. Oui, chasser. Étape 6. Fermez le robinet à l'aide de votre essuie-tout. Bien, merci! Étape 7. Utilisez du Purel. Oh non, j'en ai plus. Oh, justement, je viens d'en acheter! Tiens, je te le passe. Avais-tu désinfecté la bouteille avant de la lancer? Non, j'avais oublié! Étape 1.
Je suis vraiment tannée que tout le monde achète des bouteilles en plastique. Elles se vendent partout, dans les magasins, dans les restaurants et même dans les avions. Oui, elles peuvent se rendre pratiques, puisqu'elles ne sont pas chères sur le coup et que tu peux juste les jeter après les avoir utilisées. Par contre, elles sont très mauvaises pour notre planète. Saviez-vous que pour une petite bouteille de plastique, il faut 33 centilitres de pétrole? De plus, à chaque seconde, il y a 20 000 bouteilles de plastique qui sont construites dans le monde. Ensuite, la plupart de ces bouteilles sont recyclables. Par contre, personne ne les met au recyclage. Donc, où vont-elles? À la décharge, à l'île de plastique, ou ensuite dans les océans. Elles prennent entre 100 et 1000 ans à se désintégrer. Bientôt, il y aura plus de plastique que de poissons dans nos océans. Il faut changer nos habitudes. Voulez-vous que vos enfants et vos petits-enfants vivent dans la pollution? Je pense pas. Pour continuer, l'eau est une source de vie. C'est pourquoi tout le monde doit en acheter. Saviez-vous que l'eau en bouteille de plastique est réellement plus coûteuse que l'eau en robinet et une bouteille réutilisable? Est-ce que vous vous rappelez les bonnes vieilles bouteilles de Nestlé? Par exemple, au Walmart, pour une bouteille de plastique de 1,5 litre, ça coûte 1,07$ plus les taxes. Cependant, l'eau du robinet en Ontario coûte approximativement 1$ pour 1000 litres. Rappelez-vous de ça lorsque vous voulez acheter une bouteille de plastique. Elle coûte approximativement 666 fois plus que l'eau de robinet. Donc, s'il vous plaît, achetez-vous une bouteille d'eau réutilisable et prenez l'eau du robinet. Ça va vous coûter beaucoup moins d'argent. Quoi, madame? Non, c'est pour un TikTok, je te promets, ça dure comme 2 minutes. OK? Sans plus tarder, je vous présente les nominés pour les TikTokers. Know the truth, just so I can tell you what's on my mind. What's up, I've been calling you, it seems like I can't get to you. Thought I was good, yet I'm feeling blue. Feels like I'm alone in this game for 2 years. Tell me what you wanna do, live your life, no stopping you. And you don't wanna fight with us, we big dogs, you don't fight the wolves. No hats in my backpack, and you brought your game to school. I talk, you never play the game, you do that. You was heated when you see me, I always kept it cool. I always kept cool. I don't know how to work at a bakery, but I do want cake. Dancing on me, so she's got a green on the knee. With it, group drop. Thank you.
sûrement pas voyager, mais on peut toujours en rêver. Passez de belles vacances. Have a great vacation. Que tengas unas buenas vacaciones. Yo y Kyoko. Buena vacanza. Ten últimas ferias. Bonne vacances. Bonnes vacances, les élèves! Bonnes vacances! Bonnes vacances! Profitez du beau temps dehors avec votre famille! Oh!